Décès de Daisy Champion, le journaliste écrivain Guillaume Vergès rend hommage à l'artiste. M. Guinon Désiré Clavé, tu plonges toute une génération dans une douleur sans nom. Que pouvons-nous dire? Un 31 mars triste, triste. Le bal sur la toile ivoirienne laisse juste couler les larmes. Tous ces hommages, toutes ces publications. La profondeur de la douleur n'a jamais été aussi lourde en Ebourny ces dernières années. Guinon, tu es parti. Ah oui, tu es parti. On doit croire cela et se faire à cette idée. Ah oui, la vie. Ton décès se veut-il un message fort? Une leçon à tirer. Je me pose mille et une questions. Dans le vide, mes yeux se baladent sur la toile. Impossible de ne pas tomber sur une publication qui rappelle ta tragique disparition. Daisy Champion est mort. Il est vraiment mort. J'écris sans savoir ce que j'écris. Les images et les souvenirs sont là, vivaces. Yopougon GFCI où tu avais ton kiosque à cassettes que gérait en son temps le jeune Atito Kapata devenu aujourd'hui un célèbre artiste zouglou. Guinon de Kingaro, Guinon de Diomandé Lassina, Guinon de Molokai Wesley, Guinon de Elardo de la Soule, Guinon de Afiba, Guinon de Simon Pierre, Guinon de Kwablé Henri. Mes premiers pas dans le showbiz. Ah ouais, adieu Guinon, adieu. Si la mort pouvait parler. Que celle de Daisy nous parle et nous enseigne.